Je n'avais jamais vu Paris. Et j'y suis allée complètement seule. Mon frère étant un peintre reconnu, il ne me fut pas difficile d'être introduite dans le cercle des artistes scandinaves. Toutefois, d'après ce qu'on m'avait dit, il ne régnait plus dans le monde de l'art la solidarité et la bonne camaraderie des années précédentes. Quelques personnes se fréquentaient, et je fréquentais davantage une petite coterie qu'une autre. La plupart du temps, cependant, j'étais seule. C'était comme une convalescence. Pendant longtemps, j'ai veillé sur ma sœur qui souffrait d'une maladie nerveuse. Cette maladie avait failli par dégénérer en folie pure et simple. Ma mère était morte peu après que l'on avait conduit ma sœur à l'asile. La liquidation de la maison, le deuil de ma mère et les terribles impressions qu'avaient produites sur moi les délires de la folle avaient fait peser comme un poids écrasant sur mon esprit. Tout cela était encore trop récent et c'était comme si j'avais besoin d'un temps de tranquillité pour pouvoir guérir. La personne que j'appréciais le plus était un jeune peintre qui comptait parmi les amis intimes de mon frère. Son attitude avait comme une sorte de bienveillance sérieuse et bourrue qui me faisait beaucoup de bien et on savait que l'on pouvait se taire en sa compagnie. Comme moi, il était fraîchement débarqué de Paris et nous sortions souvent ensemble. Il appelait ça une solitude bien tempérée. Un jour que nous nous promenions dans la section des sculptures de la Galerie du Luxembourg, je tombais en arrêt devant une œuvre. Il ne me fut pas possible de passer devant sans y avoir d'abord consacré quelques minutes d'observation. Je ne donnerai pas le nom du sculpteur, mais vous le devinerez sans peine. Cela faisait 5 ans que ce sculpteur n'avait rien exposé de plus remarquable. C'est curieux, n'est-ce pas? Comment cela se fait-il? On a trouvé que sa dernière œuvre, qu'il a exposée au salon il y a quelques années et qu'il a vendue à Berlin, était plus faible que ses autres créations. On a dit qu'il avait régressé. Je crois que c'est cela qui l'a empêché de continuer. Depuis, il a exposé des bustes, admirables, mais rien d'autre. Je crois bien qu'il a immortalisé dans le marbre toutes les princesses d'Europe. Sa force, ce sont les figures de femmes. Il ne réussit jamais vraiment complètement les figures d'hommes. L'ami de mon frère conclut par le fait qu'il avait rencontré à Berlin et qu'il lui avait fait une particulièrement bonne impression. Après cette journée, c'en fut fini de nos promenades, car je fus victime d'une fièvre typhoïde. Et lorsque je commençais à me sentir mieux, le temps était venu pour le jeune peintre de quitter Paris. Parce que nous devions nous séparer incessamment et que je me sentais très seule, il prit l'habitude de venir plus souvent que de coutume. Et le plus souvent, il apportait des fleurs ou des fruits. Quelques jours avant son départ, il arriva tout essoufflé chez moi et mentionna le nom du sculpteur. J'appris qu'il avait son atelier dans le quartier et qu'il allait venir chez moi. Le sculpteur avait entendu parler de moi. Il confia qu'il avait entendu mon frère prononcer mon nom. Il demanda à mon ami si cela me dérangerait qu'il vienne, puisque j'étais encore faible et que je ne pouvais pas sortir. Ce dernier répondit tout de suite qu'il pouvait venir. Il passera demain, juste avant le déjeuner. Cela va être affreux pour moi. Je parle un français tellement abominable, et quand je suis gênée, c'est encore pire. L'ami de mon frère soutient que je parle français mieux que lui. D'ailleurs, le sculpteur est lui-même presque français. C'est un sang mêlé. Du côté maternel, sa grand-mère est norvégienne et son grand-père polonais. C'est par son père seulement que c'est un vrai français. Il parle norvégien. Et il comprend aussi le suédois. Il a un sens des langues digne d'un russe. J'affirmais à l'ami de mon frère que je ne savais pas faire la conversation. Ce à quoi il répliqua que je pouvais me taire et qu'il était trop bête de juger un homme comme lui comme s'il s'agissait d'un petit bourgeois prussien. « Vous croyez qu'on a besoin de dons pour la conversation ?» me dit-il. « Soyez simple et naturel, soyez un être humain. Il n'y a besoin de rien d'autre. » Le lendemain arriva. J'avais tout rangé, avec tellement de soin qu'on aurait pu finalement se croire dans un pensionnat parisien de standing moyen. Il y avait des roses sur le piano, et j'avais disposé les chaises avec calcul, de sorte que mes invités pourraient s'asseoir au soleil et moi dans l'ombre. J'étais si inquiète que j'avais du mal à rester tranquille.
Moi et mon incapacité à trouver mes mots. Moi et ma personnalité austère. J'allais essuyer un échec implacable, je le savais, et il allait repartir en emportant de moi l'impression la plus défavorable, la plus hostile, sans qu'il puisse se douter qu'il ne se trouvât point au monde de personnalité artistique pour laquelle j'avais plus de sympathie et d'admiration. J'avais entendu parler de lui comme d'un mondain accompli, presque un homme de cour. Il était habitué aux conversations spirituelles de dames distinguées. Et moi, une petite Suédoise inconnue sortie de sa province, une pauvre souris sans intérêt. Mon jeune ami voulait m'accompagner, mais je lui ai dit que je préférais me présenter moi-même. Vous avez été malade. Asseyez-vous, vous êtes toute pâle. C'est une condition nécessaire que je sois malade pour que vous veniez me rendre visite. Vous ne voulez pas vous allonger ? Non, merci. Laissez-moi d'abord bien vous regarder. Il n'y a pas grand-chose à regarder. Vos joues ont dû davantage se creuser. J'ai eu la typhoïde. Restez assise, sans parler, quelque temps. Que je puisse voir votre visage. Au repos. Quels yeux sérieux vous avez! Vous croyez que je veux vous faire mon petit compliment ? Non. Cela ne me viendrait jamais à l'idée. Cela ne me fait ni chaud ni froid que vous soyez belle ou laide, que vos joues soient pleines ou creuses. Je vous apprécie tel que vous êtes. Vous connaissez mon frère ? Oui. C'est un artiste capable. Sa valeur vaut sa réputation. On ne peut pas dire ça de tout le monde. Oui, n'est-ce pas ? Il peint bien. Vous voyez ? Vous voyez comme votre visage s'éclaire. Vous êtes fière de lui. C'est lui qui vous donne un peu de vie, n'est-ce pas ? Oui, avant. Nous étions souvent ensemble et il écrivait souvent. Mais maintenant ? Il s'est marié. Ah, ça ! Le mariage détruit toujours les gens. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais en tout cas, c'est bien comme ça que ça marche. Parlez-moi un peu de vous. Il n'y a pas grand-chose à raconter. J'aime bien connaître les gens que je fréquente. Vraiment, vous n'avez rien vécu ? Sinon, comment pourrait-on appeler cela ? Végéter. Je vous ai blessé ? Non, mais il me semble que vous avez raison. Ma pauvre, vous avez l'impression d'une enfant effrayée. La vie a été cruelle envers vous. Vous êtes timide et méfiante. Pas envers vous. Racontez-moi quelque chose. Je ne peux pas. Vous êtes en deuil. Et pourquoi êtes-vous à Paris ? Je vais vous raconter tout ce qu'il y a à raconter. Je suis née dans une petite ville de Suède. Mon père est mort quand j'avais 17 ans. Je n'ai pas beaucoup de famille en dehors de mon frère, d'une sœur et de mon frère de lait, Vigo, que vous connaissez. Il y a quelques années de cela, ma sœur est devenue folle. Nous aurions voulu la garder à la maison, maman et moi. Mais c'était tellement horrible que cela nous a complètement épuisés. Ma mère est tombée malade. Je ne pouvais pas m'occuper des deux. On a mis ma sœur à l'asile et maman est morte peu après. Mon médecin a dit que je devais voyager et me distraire. J'ai toujours eu un grand intérêt pour l'art, alors je suis venue ici. Vous n'y étiez jamais venue ? Non, je n'y étais jamais allée plus loin que Stockholm. Et votre frère, cela fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de lui. Il est à Constantinople. Mais c'est son atelier ici. Il ne voulait pas le perdre et donc il l'a loué à nouveau. Même s'il n'est sans doute pas prêt de revenir. Il vient de faire un riche mariage. Oui.
Qu'est-ce que vous avez par là? Un jardin? Oui, mais je n'en ai pas la clé. Vous devriez la retrouver, si vous restez encore un peu ici. Il peut encore y avoir de belles journées. Oui, c'est ce que j'ai pensé aussi. C'est étonnant, vous ressemblez très peu à votre frère. Vous trouvez? Oui. J'aime rester assis à vous regarder. On apprend toujours quelque chose d'un visage. Comment se fait-il que vous ayez parlé de moi, mon frère et vous? J'ai eu une maîtresse qui vous ressemblait, selon lui. Ce n'était pas un modèle. Je ne sais pas si j'ai eu ne serait-ce qu'une relation de ce genre. Si vous la connaissiez, celle que je viens de nommer, vous ne vous sentiriez pas offensé de la comparaison. C'est une des plus belles femmes que je connaisse. Son mari était diplomate en poste à Vienne. Vous n'avez pas de travail? De travail? Oui, pas un travail de dentelle ou de broderie ou ce que les femmes ont coutume de nommer travail. Je veux dire un travail auquel se vouer. Non. Alors vous devriez vous marier. Vous avez dit il y a quelques instants que le mariage détruisait les gens. Oui, pour l'homme, mais pas pour la femme. Et la société est ainsi faite que la femme doit se marier. Une femme seule vieillit prématurément. Ce serait dommage pour vous. Vous êtes jolie, vous pourriez certainement faire le bonheur d'un homme. Vous êtes bonne, n'est-ce pas? Malheureusement. Oui. Vous n'avez jamais remarqué que c'est par opportunisme que les gens prêchent que chacun doit être bon avec autrui? Les bonnes personnes sont toujours malheureuses. Mais rappelez-vous bien ce que je vais vous dire. Il serait plus sage d'assassiner quelqu'un que de l'aimer. Il me serait difficile à présent d'assassiner quelqu'un. Vous voulez dire que vous n'avez pas le choix. Mais il y a des femmes qui sont suffisamment fortes pour supporter d'aimer. Je veux dire, qui supportent ça comme un homme. Que ce ne soit qu'un épisode de leur vie, mais pas toute leur vie. J'en ai connu une. Elle était peintre. Elle vivait avec un de mes amis. Ils travaillaient tous les deux comme des camarades. Mais elle était plus jeune et moins connue, il se passa ce qui arrive toujours. Comment ça? Ne prenez pas cet air ébahi. L'amour n'est jamais qu'une floraison et c'est pour cela qu'il dure aussi peu. Mon ami et son ami ont rompu, ils se sont lassés l'un de l'autre. Elle aussi? Cela vous effraie? Oui, elle aussi. Mais depuis, elle le hait comme le fait toujours une femme quand elle n'aime plus. Toujours? Oui, toujours. C'est ce qui rend votre sexe si faible et si méprisable. Un homme éprouvera toujours de la tendresse envers quelqu'un qu'il a aimé. Une femme, jamais. Les gens sont différents. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la peintresse? Elle avait peint son autoportrait dans l'atelier de son ami. L'autoportrait était un chef-d'œuvre du genre. Extrêmement sincère, dans son audace, son art, sa témérité. Il lui a valu une médaille au salon. Et il lui a donné ce dont un artiste a le plus besoin, la confiance en soi. J'ai vu son travail depuis, elle expose chaque année. Et si je n'étais pas au courant, je pourrais jurer que ses œuvres ont été faites par la main d'un homme. Elle me hait, mais cela ne fait rien. L'amour n'était qu'un épisode de sa vie, et la douleur l'a rendue si forte que je l'envierais presque. Le pauvre. Ah, vous ne diriez pas ça si vous saviez ce que c'est que de pouvoir travailler. Mais il faut que j'y aille. Pourquoi dites-vous le pauvre? Du temps qu'ils vivaient ensemble, ils ont réalisé tous les deux les plus belles œuvres qu'ils aient jamais faites. Cela vaut aussi pour lui. Était-ce grâce à elle? Qui sait? Pour moi, en tout cas, chaque femme que j'ai véritablement aimée a représenté une nouvelle œuvre. Vous n'avez donc aimé personne ces dernières années? Si. Mais elles ont été trop nombreuses. Après ce jour, il y eut plusieurs jours. Et aucun ne se passa sans qu'il vienne me voir quelque temps après le dîner. Toujours à la même heure, pour que je puisse rester à la maison si je voulais le voir. Certaines fois, il croisa une de mes connaissances et cela eut l'air de le fâcher. Et il ne faisait même pas semblant de le cacher. Mais pendant quelques jours, il ne vint pas. Me disant, un peu en colère, qu'il n'avait pas le droit de me priver de mes amis. C'est ainsi que je commençais à m'isoler, petit à petit, presque complètement, pour éviter d'avoir à me passer de sa visite, qui m'était jour après jour de plus en plus précieuse. Je m'étais mise à étudier l'histoire de l'art, et cela me plaisait beaucoup.
D'autant plus qu'il me guidait dans mes études et était très satisfait quand je me montrais studieuse. Il ne supportait pas que je reste à ne rien faire de mes journées, occupée seulement à attendre sa visite. Depuis qu'il avait commencé à me rendre visite et que je passais plus de temps chez moi, j'avais aussi amélioré mon ordinaire. Je m'étais arrangé deux pièces au lieu d'une seule et j'avais loué un piano. Vous ne travaillez à aucune œuvre. Ne me posez pas de questions à ce sujet. Ah, les femmes pourraient torturer à mort un homme et simplement rester là à le regarder avec un petit sourire gentil comme si elles n'avaient rien fait de mal. Pardonnez-moi. Pardonnez. Pardonnez. Que devrais-je pardonner? Mais promettez-moi de ne plus me poser de questions à ce sujet. Dites n'importe quoi. Racontez-moi quelque chose. Vous ne savez pas ce que veut dire l'amour heureux? Non, je ne sais pas. Cela dépend bien sûr de ce que vous entendez par amour heureux. Je ne parle pas d'amour éternel, je veux dire un amour heureux. L'amour sans obstacle, sans contrainte. Aimer absolument, se donner corps et âme. Aimer au présent, comme si l'ensemble du monde extérieur cessait d'exister. C'est ce que j'appelle l'amour heureux. Je n'ai jamais connu ça. Oui, bien sûr. Vous et vos mœurs puritaines. Mais je crois aussi que c'est comme cela que l'on avance, aveugle, dans le monde. On ne comprend rien à ce qu'on voit. Ne croyez-vous pas qu'il y a beaucoup de gens qui l'ignorent? Si. Mais alors, il y a quelque chose de sec, de pauvre dans tous leurs actes. N'avez-vous jamais remarqué, par exemple, que votre propre style, juste quand vous écrivez une lettre, manque de lumière et d'air? Les phrases sont si sèches, si contraintes. Que j'écrive ou que je coupe des arbres, je veux avoir le soleil qui rentre dans mon travail. Tout doit demeurer comme une musique de troll céleste. C'est ainsi que l'on aime. C'est ainsi que l'on a vécu. Mais vous n'êtes juste pas une femme, vous êtes presque un homme. Je n'arrive pas à comprendre ce qui vous donne cet aspect. Il y a quelque chose de si austère dans votre apparence qui ne va pas du tout avec votre caractère. Oui, ce sont les cheveux. Pourquoi les coiffez-vous ainsi? Vous avez de si beaux cheveux, ne les plaquez pas en arrière comme une puritaine, laissez les boucler tomber en masse autour de votre visage. Sans les tirer, les cheveux doivent tomber librement autour du front. Regardez les miens, de quoi aurais-je l'air? Affreux. Oui, vous voyez bien, et la coupe de vos robes, habillez-vous donc comme une femme. Vous êtes encore obligée de porter le deuil? Oui. Quand on a votre allure, je ne comprends pas pourquoi on veut le cacher. Savez-vous quel jour nous sommes? C'est mon anniversaire. Souhaitez-le-moi. Puis-je vous regarder? C'est ce à quoi vous deviez ressembler quand vous étiez une jeune fille. Vous êtes bonne, vous êtes belle, vous êtes sérieuse. Et je vous apprécie terriblement. Maintenant que vous êtes ma seule relation, vous pouvez bien fêter mon anniversaire en buvant une tasse de café avec moi. Excellent! Et ensuite, vous jouerez des airs populaires pour moi. Oui. Eh bien, madame n'est pas bégueule. Ah, vous êtes. Vous n'êtes pas une femme et vous n'êtes pas non plus un simple camarade. Louise sert à boire. Gustave se tient à côté d'elle, la main posée sur le dossier de sa chaise. Soudain, il saisit sa tête entre ses deux mains et l'embrasse à deux reprises. Rapidement, violemment, comme personne ne l'avait embrassé auparavant. Nous devons nous séparer. Vous voulez partir? Oui, je suis décidée à partir après-demain. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Je ne veux plus vous voir désormais. Ne plus me voir? Quelque chose a changé entre nous? Oui. Non? Rien? Rien? Vous ne voulez quand même pas dire que je suis un danger pour votre tranquillité? C'est impossible. Vous ne me connaissez même pas. Quand? Dès que vous m'avez vu? Non. Mais avant que vous ne veniez. Réfléchissons-y jusqu'à demain. Oui. Partez maintenant.
Il me coûte de partir. Je voudrais rester ici. La plupart du temps, il parlait de lui, des souvenirs de sa jeunesse, de relations amoureuses passées. Il ne donnait jamais l'impression de parler pour se vanter ou de dire des mensonges. Ce qu'il racontait était la vérité évidente, mais cette vérité appartenait à un autre monde que son monde à elle. Elle avait trait à la vie libre des artistes ou aux secrètes intrigues amoureuses des salons, mais elle tournait d'abord et avant tout autour du cœur des femmes. De femmes qui n'étaient pas comme les autres, de femmes au parcours de vie différent, de femmes trompées ou de femmes oubliées, de femmes qui l'avaient aimé ou de femmes qui avaient soupiré en vain après lui. Mais cela tournait toujours autour des femmes. Lorsqu'il évoquait ces sujets, il était toujours l'homme par qui les histoires et les scandales arrivent, l'homme qu'elle connaissait par son horrible réputation et non plus seulement par son travail. Mais il n'était pas ce type creux de Don Juan à quoi sa réputation le réduisait. Il était quelqu'un de bien différent de cela. Il n'était pas un type, c'était un être humain. Un être humain qui avait aimé et souffert, mais qui aimait et souffrait d'une autre façon que sa race à elle. Vous ne vous êtes pas attaché à moi. Je ne peux pas être un danger pour votre tranquillité. C'est impossible. Non, non. C'est impossible, dites-le. Vous ne me connaissez même pas. Non, non. Est-il possible que je sois un danger pour votre tranquillité? Non, oh non. Quand dès que vous m'avez vu au premier gare? Non, pas tout de suite, mais avant que vous ne partiez. Gustave pose ses mains sur ses épaules et lui murmure à l'oreille. Je ne veux pas m'en aller. Je voudrais rester ici. Il prend ses mains, les baise, puis l'embrasse doucement sur la tempe. Louise se retire prestement. Je vous ai offensé. Non, oh non. Si, non. Si, j'ai fait preuve de hardiesse et cela vous a déplu. Et si c'était le cas, en quoi cela serait-il votre problème? Ce n'est pas mon problème si je vous ai blessé, mais cela insinue que je serais un grossier personnage. Vous? Les Français disent vous. Même à ceux qui leur sont chers. Quelques jours s'écoulèrent, mais le manque de clarté dans nos relations me devint encore plus douloureux. Cela me rendit timide et peu naturelle dans ma façon de me comporter avec lui. L'audace des premiers temps était passée et j'étais dans l'incertitude. J'avais peur de lui montrer à quel point je tenais à lui. J'avais peur de le repousser. Je marchais comme sur de la glace fine. À la fin, cela devint atroce et j'espérais que cela déboucherait sur une rupture ou sur une explication. J'avais commencé à le soumettre à une critique muette, à juger ses manières, sa conduite, ses gestes. Je crus déceler dans cette graduelle marche vers la conquête quelque chose de la compétence d'un professionnel. L'indignation et la vanité blessées se mirent de la partie. Il s'était moqué de moi, avait pris la petite Suédoise pour une proie facile. Je me résolus à renoncer à toute considération et à dire ce que j'avais sur le cœur. La fois suivante, lorsqu'il vint et lorsque, avec cette amabilité naturelle et simple qui lui était propre, il voulut m'embrasser pour me dire bonjour, je me reculai vivement. Et avant qu'il n'ait pu poser la moindre question, se déversa sur lui une avalanche. J'ai toujours su que vous étiez un sportman du genre le plus commun. La seule chose à quoi vous devez accorder foi, c'est que j'ai vu clair en vous. Moi-même, j'ai été seulement mue par de la curiosité et une envie de faire des expériences. Mais maintenant, c'est fini. Pour moi, il a été extrêmement intéressant de soumettre à l'étude un homme du monde et un artiste réputé. Mais quel motif avez-vous eu, vous-même, pour jouer semblable comédie? Comment avez-vous pu, sans soupçonner rien, vous jeter dans mon piège grossier? Quel intérêt avez-vous pu trouver à un être insignifiant comme moi, une conquête obscure qui ne vous rapporterait pas le moindre honneur? Pourquoi avez-vous commencé à jouer à ce jeu? Le motif, la raison? Si
Si vous êtes de ces gens qui font passer leurs sentiments à travers le chat d'une aiguille, alors nous n'avons rien à faire ensemble. Rien. Rien de rien. Je suis bien désolé pour vous, mais c'est trop abject. Alors que je suis venu à vous avec tant de chaleur, alors que je voulais vivre si pleinement avec vous que cela me faisait même de la peine de voir d'autres gens autour de vous, vous avez juste trouvé cela ridicule et n'avez pas pensé à autre chose qu'à m'étudier. Et moi, comme le fou, vaniteux, je suis venu vous offrir mon portrait sans que vous me le demandiez. Rendez-le-moi, au moins. Non, ne le reprenez pas. Oh, laissez-moi le garder. Ne prenez pas ça si à cœur. Cela m'a fait tant de peine pour vous. Oui, mais ne prenez pas le portrait. Laissez-le-moi. Non, je ne le prendrai pas, mais asseyez-vous et parlons raisonnablement. Voyons s'il y a une possibilité de surmonter cela. Pourquoi ne pouviez-vous pas laisser se développer à sa guise ce qu'il y a entre nous deux? C'était impossible de laisser grandir en paix cette chose qui germait de façon si délicate et si fragile. Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de l'arracher avec vos gros doigts? Oui, pourquoi? Pourquoi? C'était de la folie. Ou alors, je ne sais pas ce que c'était. Je crois que j'ai voulu dire ce que j'ai dit. Je ne sais pas moi-même ce qui s'est passé en moi. Vous êtes absolument incapable de comprendre un être comme moi. Vous me mesurez à l'aune de vos petits instruments pitoyables de petite bourgeoise. Quelle mesquinerie pleine de petitesse. Quelle peur minable. Quelle spéculation ridicule. Vous croyez qu'on se demande pourquoi on embrasse une femme? On ne réfléchit pas à cela. Si ça ne s'impose pas de soi-même, on ne le fait pas. En faire un objet débat, vous ne remarquez pas qu'il y a quelque chose de grossier là-dedans? J'ai été folle. J'ai tellement ruminé tout cela. Vous croyez que j'allais penser que vous étiez une femme légère? Oui. Ma chère. Pas avec ses yeux, ce front, cette bouche. Votre apparence dit tout le contraire. Si vous m'aviez appartenu pendant 7 jours et 7 nuits, je ne vous aurais pas pensé légère pour autant. Et vous vous inquiétez de cela? Si vous connaissiez mon éducation et ma famille, vous comprendriez que je pense ainsi. Ma pauvre, la vie vous a rendue cruelle et amère, et elle vous a faite plus dure que je ne pensais. Tout ce qui m'a blessé n'était qu'une façon de vous défendre. Vous aviez le sentiment que je voulais vous faire du mal, et avec votre sensibilité à fleur de peau, il s'est ensuivi que vous avez cherché instinctivement à vous protéger de tout ce qui pouvait vous faire souffrir. Oui, oui, je mords les gens autour de moi comme le ferait un chien enragé, lorsque je sens que quelqu'un va entrer trop intimement dans ma vie. Je comprends. Mais comment allons-nous surmonter ça, ce que nous venons de vivre? Car nous allons nous efforcer de le surmonter, n'est-ce pas? Oui. Oui. Enterrons cela comme deux enfants enterrent un moineau dans le pré. Gustave lui caresse les cheveux et la joue, et posant sa main sur le dossier de la chaise, Louise se penche en arrière et tend ses lèvres en sa direction. Prend sa main entre les deux siennes, pose son front dessus. C'était le printemps, le chaud printemps tout juste éclos de Paris. Dans le petit bout de jardin qui jouxtait l'atelier, les lilas étaient en fleurs. Ils tissaient sur les lattes un toit à claire-voie, pendaient de tous côtés comme une couverture en corde, formaient un cercle autour de la parcelle et protégeaient l'herbe du soleil et de la poussière. La verdure était en train de pousser. Cette herbe semblable à une forêt de hêtres qui ferait de nouvelles feuilles. Une femme se tenait sur une marche basse, appuyée contre le montant de la porte, les pieds dans l'allée de sable. Elle n'était plus jeune, mais l'expression de ses yeux l'était, et sur son visage se reflétaient ses jours emplis de verdure et de soleil. Elle avait posé les mains sur ses genoux et regardait, à travers la trouée des feuilles, le ciel bleu, d'un bleu lumineux
indifférente à ce qu'elle avait sous les yeux. Cette femme avait un sourire d'une douceur singulière. Ou mieux, ce n'était pas un sourire. Il s'agissait plutôt d'une clarté intérieure qui se répandait sur ses traits, masquait les marques de souffrance et d'épuisement. Une clarté qui demeurait sous la surface, semblable à ce teint foncé qui donne de la brillance. Ce qui rayonnait dans ce visage, c'était le bonheur. Un bonheur serein, secret, profond et mystérieux. Semblable à la mer dans laquelle tout se noie, coule, disparaît cependant qu'en surface tout n'est que soleil et calme plat. Elle était assise et se demandait ce que pouvait bien être le bonheur. Elle ne l'avait jamais su jusque-là. Elle repassait en revue sa vie, une longue vie dénuée de joie, qui n'avait jamais été rien d'autre que censure de son propre moi, lutte pour le devoir, résignation et la répression, mais jamais la suppression du désir de connaître quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, quelque chose de chaud, de plein, qu'elle n'avait pas eu le droit de saisir pour elle. Elle sourit et ressentit de la compassion pour son ancien moi, si misérable, et elle ne voyait pas d'avenir, pas d'autre avenir que ce qui, à présent, la comblait de façon si entière. Je dois partir. Je suis invité ailleurs. Oh, ne partez pas. Pas maintenant. Ma chère, je ne peux pas rester. Revenez, que l'on se dise adieu plus tard. Je reviendrai demain. Mais je ne pourrai pas attendre. Je vais mourir à attendre. Non, non, ne mourrez pas. Soyez juste bien sage. Je ne peux pas. Et ne pensez pas à moi. Dormez, juste, et pas de dissection. Il s'embrasse comme on s'embrasse quand on se réconcilie. Il sort. J'étais venu à Paris pour mon seul plaisir, ou plus exactement pour, dans un nouvel environnement, par des impressions nouvelles, permettre à mon esprit de guérir. Lui qui avait été si durement éprouvé par les horribles scènes de folie de ma sœur et de la terrible perte de ma mère. Mon intention étant de repartir en Suède à la mi-mai, un séjour prolongé aurait été une dépense plus grande que mes moyens me le permettaient. J'avais en quelque sorte dit la vérité lorsque j'avais déclaré vouloir rentrer à la maison. Telle que la situation se présentait désormais, toutefois je pouvais soit me décider à partir, soit rester jusqu'à ce que nous en parlions plus avant. Lorsqu'il arriva le soir, il aborda tout de suite la question du retour. Il ne voulait pas entendre parler d'autre chose que du fait que je reste. Je pouvais aller habiter quelque part aux alentours de la ville. Il devait lui-même partir quelques jours, dans 2 ou 3 semaines. Je pouvais bien rester en ville le temps qu'il revienne. Et c'est ainsi que cela fut décidé. Il ne voulait rien dire de la raison de son voyage, mais depuis j'ai pensé qu'il devait aller chercher un bloc de marbre pour sa nouvelle œuvre. J'étais si contente. Si heureuse. Tous ces arrangements allaient dans le sens d'un compagnonnage long et sûr. Mais depuis notre premier règlement de compte, je n'osais rien dire au sujet de l'avenir. Et j'osais à peine y penser. Toi, tu es entièrement mienne, n'est-ce pas ? Bien. Tu ne veux pas ? Ne te fâche pas. C'est une opinion de petite bourgeoise ? Non. C'est du dégoût ? Non. Ma chérie, qu'est-ce que c'est alors ? C'est que je tiens à toi. Tu voudrais bien si tu ne tenais pas à moi ? Non, encore moins. Je vois. Mais qu'est-ce que c'est que cette logique ? C'est ma logique. Mais non, c'est ta nature que tu dois suivre. N'aie pas peur, c'est seulement de la passion. Cela te passera. Non, c'est idiot. Vous, cela vous passera.
Je commençais à sérieusement penser à mon retour en Suède. Et j'avais même écrit à mon frère pour savoir si je pouvais aller habiter chez lui et sa femme sur la côte ouest, où ils avaient l'intention de s'installer. Mon frère me répondit « Il y a un ton si étrange qui se fait entendre entre tes lignes. Tu es sûrement malade, viens, on va s'occuper de toi. Ma pauvre sœur, tu as été seule trop longtemps. Nous avons été si heureux que nous avons failli t'oublier. Pardonne-nous. Écris-nous pour nous dire si tu viens. » Je jetais simplement sur une carte postale ces quelques mots de réponse. Oui. Oh, revenir chez les siens. J'ai cru que vous ne reviendriez jamais. Vous êtes si pâle, si soucieuse. C'est parce que je ne suis pas venue ? Je m'étais habituée à vous voir tous les jours. Folie, n'allez pas vous attacher à moi. Vous étiez fâchée contre moi. Non, mais je suis venue pour vous voir, vous. Vos amis ne m'intéressent pas. Vous ne les rencontrez jamais. Et la dernière fois ? C'est à cause de cela que vous me punissez en ne venant pas pendant 5 jours. Vous prenez tout au tragique. Qu'est-ce que ça peut bien faire ? Que je vienne, que je ne vienne pas. Venez, comme vous le faisiez avant. Vous êtes si nerveuse. Je ne supporte pas de vous voir fâchée. Mon Dieu, quelle tragédie. Je n'y peux rien. Ces derniers jours ont été si abominables. Je ne partage avec personne. Comment pouvez-vous dire des choses pareilles ? Est-ce que je ne néglige pas toutes mes vieilles connaissances ? Ce n'est pas ce que je vous demande. Je ne vous demande rien. Vous êtes méchant. Que ne ferais-je pas pour que vous soyez bon à nouveau ? Allons, ne nous chamaillons pas pour cela. Je suis là, maintenant. Mais regardez-moi cette nouvelle tenue. C'est en mon honneur ? Non. Oui. Oui. Depuis quelque temps, je trouve que vos yeux ont changé d'expression. Et vous avez appris à rire. Ah oui. Quand je suis vraiment heureuse. Noir encore, comme il est joli. Mais avec des fleurs, c'est peut-être mieux. Regardez-moi ça. C'est déjà mieux d'être si fine et si mince que vous ressemblez à une princesse de conte de fées enveloppée de gaze, de soie et de dentelle. Vous avez l'air d'avoir rejeuni, savez-vous ? Vos yeux n'ont plus la même expression, votre sourire est différent de quand nous nous sommes connus. Vous riez comme une enfant. Je suis une enfant. Qui n'a jamais vécu, ma pauvre. Oui, une enfant timide, qui n'a jamais osé éprouver une quelconque joie. Vous l'avez retenue, mais maintenant vous pouvez exprimer votre joie. Oui, comme une enfant. La joie devant les fleurs, devant le soleil, devant la belle et grande ville, devant les ponts gris, devant les réverbères qui se reflètent dans le fleuve. Et tout est si beau que j'ai comme le souffle coupé. Vous êtes devenue jolie aussi, vous savez ? Non, j'aimerais bien l'être. Pourquoi ? Seriez-vous vaine ? Non, mais vous aimez les êtres beaux. Vous, je vous aimerais que vous soyez belle ou laide. Merci. Je préfère cela vous entendre dire que je suis jolie. Quel petit être étrange vous faites. Un oiseau qui était en cage et qui battait des ailes, mais que l'on a délivré, qui maintenant commence à gazouiller. Regardez vous-même. Pensez-vous être la même personne que celle que vous étiez en arrivant ici ? Tous mes amis disent aussi que j'ai rajeuni. Vous voyez bien ? Quels beaux cheveux bouclés vous avez. Regardez comme ils retombent sur votre front, léger, délicat. Et vous les martyrisez en les attachant en arrière. C'est comme ceci qu'il faudrait qu'ils soient. Alors, cela vous plaît ? Oui, vraiment. Me sera-t-il loisible de me voir épargner à l'avenir la vue de l'affreuse coiffure de bonne sœur ? Oui. C'est comme cela que je vous aime. Il la penche en arrière et l'embrasse. Vous n'avez plus peur de moi comme au premier temps ? Non. Vous êtes devenu si simple, si bon, si amical. J'ai une grande confiance en vous. Et je suis si heureuse. Mettez vos bras autour de mon cou, parce que vous y consentez. Montrez-moi comme vous avez grandi depuis que nous nous sommes connus, que vous êtes un être libre qui ose tout connaître et qui ose suivre sa nature. Toujours timide. Viens. Vous. Toi. Louise met ses bras autour de son cou. Il n'y a pas d'autre alternative. Mais j'ai peur de le dire.
Ça paraît si étrange de vous le dire à vous. Une petite femme aussi passionnée, peux-tu être forte aussi? Pourquoi devrais-je être forte? Je tais-toi. Quand tu ne m'auras plus. Plus? Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai déjà dit que l'amour ne durait pas toujours. Louise se dégage de son étreinte. Que veux-tu dire? Un jour, toi aussi, tu me haïras. Jamais. C'est seulement quand on est au bord de la folie ou du suicide que l'on sait si on peut haïr ou pas. Tu ne sais rien encore sur toi. Si tu dérivais sur l'océan, accroché à une planche avec moi, et qu'un seul de nous devait mourir, tu enfoncerais tes dents et tes ongles dans ma chair. C'est la vie. C'est comme cela que tu es. C'est comme cela que nous sommes tous. Tu dis des choses horribles. Où crois-tu pouvoir trouver un amour qui baisse la tête en silence et meurt? J'aimerais mieux mourir que de te blesser. Ça, tu ne peux pas le savoir avant de te retrouver bredouille. Bredouille de quoi? De bonheur. Tu me fais peur. Je ne veux pas que tu viennes à moi les yeux bandés. Je ne mens jamais. Alors ce n'était pas sérieux? Non, c'est l'heure du choix. Je ne te comprends pas. Entre nous, les choses ne seront plus jamais comme avant. Plus ou moins. C'est toi qui tranches. Je le croyais il y a un instant. Maintenant, je ne sais plus ce que je dois croire. Je ne m'enchaîne jamais moi-même et je n'enchaîne personne. C'est ça que tu dois comprendre. Oh, c'est... C'est la liberté, la vie, le bonheur. Pour toi qui n'as jamais vécu. Je ne veux pas. Lâche. Mais suis ta nature! Tu t'en vas? C'est toi qui le veux. Ne te fâche pas. Alors que tu fais preuve de lâcheté? Ce n'est pas vrai. Tu as le choix, tu dois choisir. Je ne peux pas vivre sans ton amitié. Tu t'illusionnes toi-même. Les femmes détruisent tout à force de mensonges. Et s'il y a quelque chose que je méprise par-dessus tout, c'est le mensonge. Laisse-moi partir. Non. Soit tu deviens mienne parce que tu y consens. Toi! Soit tu ne le deviens pas, je ne suis pas un suborneur. Ne t'en va pas. Ce n'est pas contre moi que tu te bats, c'est contre toi. Regarde. Vois comme ce qui s'oppose à la nature enserre sa gorge pour l'étouffer. Je me contente de regarder, je ne bougerai pas le petit doigt. Ton amitié, je ne peux pas vivre sans elle. Et tu ne m'aimes pas? Je tiens à toi. Et tout va redevenir comme avant? Oui. Alors je n'ai plus le droit de vous tutoyer. Je vais vous raconter une petite histoire qui va te faire plaisir. J'ai commencé à travailler. Ah. Oui, c'est étrange. Avec l'envie de travailler vient une envie de bonheur. Le travail engendre l'amour, à moins que ce ne soit l'amour qui engendre le travail. Je ne sais pas dans quel sens ça marche. Je suis contente que nous ayons surmonté cette période stérile. Oui, n'est-ce pas? J'ai beaucoup d'amis et parmi eux se trouve... Elle est si belle qu'elle ferait s'émouvoir une pierre. Ces jours-ci, j'ai commencé à modeler un buste d'elle. C'était ça, le travail. Oui. Et au fil de ces longues séances solitaires, on est devenus proches, très proches. Je ne dis rien qui soit susceptible de vous blesser. Absolument pas. Son mari est un milliardaire hongrois, incroyablement riche, mais il ne vit que pour ses chevaux et il néglige sa jeune épouse. Vous êtes si pâle, vous ne vous sentez pas bien? Si, très bien, poursuivez. J'ai éprouvé pour elle de la pitié, elle est si seule et elle est d'une beauté si éblouissante, entourée qu'elle est de luxe. Et de raffinement. Elle a du goût et elle brasse des millions. Pénétrer dans son palais, c'est comme offrir à ses yeux un bain de beauté. Vous comprenez que cette rencontre était faite pour moi. Mais vous avez l'air bizarre. C'est juste une petite sensation de malaise. Je suffoque un peu une oppression par là, mais ne vous occupez pas de ça, ça m'arrive souvent. J'ai remarqué que ces derniers jours, nous nous sommes considérablement rapprochés. C'est une femme intelligente et une bonne personne. Nous avons beaucoup parlé. Elle est absolument dénuée de tout préjugé, elle est fine, noble, aristocrate, jusqu'au bout des ongles. Les femmes comme elle exercent un terrible pouvoir sur moi, absolument sûre d'elle, lucide, tout à la fois froide et libre, chaste, tout à la fois vierge de glace et femme qui ose aimer entièrement. Tout ce qui compte, c'est qu'elle aime ou pas, le reste ne compte pas. Continuez. Je suis tout ouïe. Elle est libre, je suis libre, je ne sais encore rien, mais je sens qu'elle a commencé à enrouler autour de moi son filet de soie. Je serai sa victime un de ces jours, une victime qui mettra à nu son cœur et lui dira « Frappe ! Cette femme est faite pour aimer et être aimée. » J'étouffe. Cela a pris. Quelle jalousie dévorante. Et vous ne m'aimez pas ? C'est de la torture. Pour faire sortir la vérité, ouais. Tu m'aimes ? Non, je ne vous aime pas.
Ah, maintenant je vois qui vous êtes. Vous me croyez naïve et stupide parce que je n'ai pas vécu comme vous dans le grand monde? Mais j'ai vu clair en vous dès la première seconde. Je voulais savoir comment un coureur de jupons comme vous parvient à ses fins. Votre amour propre vous a rendu aveugle. Vous êtes tombé dans le piège grossier que je vous avais tendu. Ouais, mais vous avez oublié de le poser, ce piège. Ah, on voulait faire une petite expérience. Aveugle, aveugle que vous êtes. Je ne peux plus rester après cela. Après cela? Vous voulez dire que je suis un danger pour vous? Je ne veux rien dire du tout, rien. Je pars demain. Vous ne me reverrez plus jamais. Quelle réaction démesurée! En quoi ne pas être froide et rigide serait-il un malheur? Vous ne voulez donc pas vivre pour une fois? Vous étiez heureuse, disiez-vous, pourquoi ne l'êtes-vous plus? Cela ne dépend que de vous. Nous avons ici un monde qui existe pour nous seuls. La vie est si belle, pour peu qu'on se donne la peine d'oser la vivre. Pourquoi? Pourquoi chaque jour qui passait m'avez-vous attiré vers vous? Que voulez-vous? Est-ce qu'on prévoit sur ce qu'on va vouloir? Tu veux déchirer le fin tissu de tes sentiments en y passant tes gros doigts? C'est de votre réponse que dépend le fait que je reste ou que je parte. Où voulez-vous aller? Je ne veux jamais rien. Pour moi, la vie est un fleuve que je suis. Et j'en suis le mouvement. Je ne m'enchaîne jamais moi-même et je n'enchaîne pas les autres. Je croyais que l'on s'était compris, j'ai mes raisons de le penser. Parce que j'ai conçu de l'amitié pour vous? Ah! C'était de l'amitié. Vous êtes une créature singulière. Vous n'êtes pas une femme, vous n'êtes pas une enfant, vous êtes rien. Je suis une femme qui commence à prendre de l'âge. Coquetterie. Vous savez que vous êtes jeune, que vous avez l'air jeune, que vous vous sentez jeune, mais vous n'êtes pas une femme. Si vous le dites. Vous n'avez pas raison? Non. Vous êtes incapable d'aimer? Mais si, malheureusement. Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas... Je ne veux pas. Vous pensez que l'amour est une question de volonté? Malheureusement. Ma pauvre, je suis désolée pour toi. Rentre chez toi, marie-toi avec un brave gars, vis une vie paisible et tranquille chez les petits bourgeois. Cela correspond bien à ta nature et à ton éducation. Oublie-moi et ne pense pas à ces moments. Dis-toi que c'était juste un rêve. Je ne peux pas. Tu ne peux pas rester là. Ici, je n'aurai aucune pitié pour toi. Quand je rencontre une résistance, il me faut la briser. Les résistances, les obstacles, ça m'excite. Ça me met hors de moi. Décide-toi, veux-tu rompre ou bien être mienne entièrement? Choisis. Je ne peux pas m'en aller maintenant. J'ai été si heureuse. Te voir chaque jour, c'est aussi nécessaire pour moi que respirer. Tu vois dans quel état j'étais ces jours-ci. C'est comme s'il me fallait mourir ou devenir folle. J'ai gagné quoi à jouer la comédie, à parler indulgence et amitié? Je t'aime et ce malheur n'a pas de remède. C'est un malheur que d'aimer? Ça y ressemble. Le temps aide toujours à oublier. Pars. Le quatrième jour, au matin, tandis que j'étais occupée à faire mes bagages, j'eus affaire dans l'entrée. Jaillissant de la porte d'entrée, une forme se dirigea vers moi qui me fit l'effet d'un fantôme. Je reculais devant lui, je retournais dans la pièce, comme si, mû par une force mystérieuse, il m'avait poussée devant lui. Nous restâmes tous les deux à l'intérieur, à la même distance l'un de l'autre. Mon Dieu, quel changement! Qu'est-il arrivé? Rien. Vous êtes... rongé, bouleversé. Vous avez l'air d'avoir été mise au tombeau. Oui. Et cela fait seulement 3 jours que je ne vous ai vue. Je vous fais peur? Non. Vous êtes fâchée contre moi? Non. Ma chère, qu'y a-t-il? Rien. Pourquoi m'évitez-vous? Vous m'êtes étranger à présent. Vous êtes un étranger. Vous êtes devenue folle, stupide enfant, stupide enfant. Vous ne voyez pas que ça a été une folie? Une absolue folie? Si. Ça va mieux maintenant? Oui. Stupide enfant, vous êtes affreusement sensible. Vous êtes en train de mourir. Je ne peux pas me le permettre. Mais nous allons faire en sorte que vous guérissiez. Oui. Je viendrai tous les jours. Merci. Et vous allez vous mettre au travail, vous occuper. Je vous dirai tous les jours ce que vous aurez à faire. Vous m'obéirez? Oui. Oui.
Lisez ceci. Hmm? Et oui, vous allez ensuite aller au bois de Vincennes avec des amis. Et le soir, vous irez au théâtre. Et vous dormirez toute la nuit. Oui. Et maintenant, je dois y aller. Je suis pressé. Ainsi se passèrent quelques jours. Il venait, il lisait à voix haute et veillait sur moi comme si j'avais été une enfant malade. Je croyais que secrètement, il avait envie que je parte. Et j'avais l'intention de le faire dès que j'en aurais la force. Mais lorsque j'en parlais, il disait toujours... À quoi cela vous servirait-il de partir? Oui, partez. Si vous voulez anguisser des vôtres. Mais revenez. Souvent le soir, nous restions assis à causer, lorsqu'il faisait encore jour et que l'air était encore doux, de sorte que nous laissions ouvertes les fenêtres du balcon. Et il parlait parfois de son travail, des fluctuations entre la confiance en soi et le découragement, de la mélancolie qui envahissait tout et qui pouvait s'emparer de lui pendant de longues périodes. J'admire Michel-Ange. Pour moi, c'est le modèle de l'homme vrai. Davantage encore, car il pouvait travailler sans maîtresse. On devrait pouvoir, non? Pour Michel-Ange, l'art lui-même n'était pas autre chose que ce que l'ensemble des femmes est pour nous autres. L'être tout entier de Louise se remplit de larmes, mais elle garde les yeux ouverts, sans bouger, pour empêcher les larmes de se déverser. Quelques larmes s'échappent cependant en une giclée et l'une d'elles tombe sur sa main. Tu es bonne. Ce fut la seule chose qu'il dit et la meilleure chose qu'il pouvait dire. Je n'avais jamais pensé auparavant que cela puisse avoir autant d'importance que quelqu'un vous dise que vous êtes bonne. Je ne l'avais pas informé en avance du jour de mon départ, car cela me faisait de la peine d'en parler si je pouvais éviter d'avoir à le faire. J'avais l'intention de chercher à savoir si la distance et le temps ne pouvaient pas m'aider à surmonter cette malheureuse dépendance. Je savais que cela serait plus facile si nous nous quittions bons amis, sans amertume, sans scène, et si je pouvais partir avec l'assurance que son amitié et son estime me suivraient dans mon chemin solitaire. Le soir d'avant, il vint comme à son habitude. Je lui ai dit que j'avais l'intention de partir. Comme c'est étrange de vous voir ainsi si faible, si heureuse et si femme. Mais votre rire sonne différemment de la première fois que je vous ai vue. Et pourtant, votre être ne correspond pas à votre apparence. Vous n'avez pas de sang, pas de sexe, vous êtes un trucage. Ce n'est pas vrai. Ah non? Vous souvenez-vous d'un certain soir? Et après? Mais après? Vous voulez dire que vous avez changé d'avis après? Oui. Vous voulez bien? Oui. Gustave la prend à la gorge durement, comme s'il avait envie de la tuer. Et en la penchant en arrière, l'embrasse avec vigueur. Louise saute sur ses pieds. Vous ne voulez pas. Soit parce que tu y consens, soit pas du tout. Je ne vous donnerai jamais l'occasion de croire que je tente une quelconque manœuvre de séduction. Ne soyez pas si fâchée. Je ne suis pas fâchée. Rappelez-vous que je pars demain. Oui, partez. Je ne mérite pas que quelqu'un reste pour moi. Vous avez vu juste. Je ne suis qu'un vieux suborneur qui veut avoir l'amour, mais qui lui-même ne peut plus aimer. Et pourtant, je crois être meilleur que la plupart des hommes. Merci. Merci pour tout. Vous n'avez pas à me remercier pour quoi que ce soit. Vous n'avez rien appris à mon contact. En partant, vous êtes toujours le même être incomplet, rabougri, enchaîné, que quand vous êtes arrivé. Nous devons nous séparer ainsi? C'est vous qui en avez voulu ainsi. Avec moi, on doit être soit frigide, soit ardente. Je n'aime pas la tiédeur. Revenez vite. Je voudrais tant pouvoir m'en empêcher. Est-ce moi qui exerce un tel pouvoir d'attraction? Oui. Entre nous, il n'y a rien. Absolument rien. Le voyage ne fut que mal du pays. Mal de la maison, de la Suède, de la langue de mes compatriotes que je n'avais pas entendue depuis si longtemps.
de mains amies et consolantes. La première chose dont je me mis en quête, ce fut la maison. La maison dans laquelle j'avais vécu avec ma mère et mon frère et ma sœur. La maison dans laquelle j'allais aussi vivre désormais, année après année. Et je m'y assis, vieille et fragile, attendant la mort avec une résignation tranquille qui peut-être me ferait l'attendre longtemps. Lorsque je me retrouvais dans ces pièces silencieuses, basses, petites, où des draps recouvraient les meubles comme de blancs linceuls, lorsque je me tins là et regardais autour de moi, je me sentis étrangère, comme une revenante revenue d'un autre monde. C'était comme si mes proches étaient venus, puis s'en étaient allés depuis la dernière fois que j'y étais venue. Et pourtant, il ne s'était même pas écoulé un an. Était-ce vraiment moi qui me tenais là à regarder autour de moi, comme si le monde entier était mort parce qu'il y avait tant de lieux entre moi et mon amour disparu? Était-ce moi qui me reprochais d'avoir été grossière, basse, nulle, méprisable, car je n'avais pas accordé foi à ses paroles au sujet de l'amour, en dépit de ce qu'il avait dit lui-même? Parce que je ne lui avais pas accordé ma foi pour la vie en échange de son fugace caprice? Oui, c'était moi. Et je venais d'un autre monde que celui-ci. Ici, je me sentais vieille, comme si mes cheveux sur ma tête avaient pris la couleur de la neige. Ici, je pouvais avoir froid, jusqu'à ce que mon cœur se change en glace dans ma poitrine. Ici, tout m'était étranger. Je n'étais plus d'ici. Je repris ma route aussi vite que possible. J'allais chez mon frère. Ce fut une joie de le revoir. Mais il était très changé. Il me regarda avec surprise. Comme Paris t'a changé, où le deuil de maman, si calme, et en même temps grandi, tellement plus femme qu'avant. Toujours ces mots. Les moments pendant lesquels je crée véritablement quelque chose, je suis un ermite. Pendant mes périodes de création, je ne peux pas supporter la présence de plus d'une seule personne, généralement une femme. Et quand le travail est fini, c'en est fini avec elle. Chaque femme que j'aime vraiment représente pour moi une nouvelle œuvre. J'ai des chagrins, de gros chagrins, que vous ne pouvez pas comprendre. Offrez-moi au moins votre compassion. À la pensée de rester pour toujours dans le froid, à la pensée de ne plus jamais le voir, année après année, de ne plus entendre sa chère voix, je sus que les années ne m'apparaîtraient pas dignes d'être vécues. À la pensée que les jours s'écouleraient sans que je reçoive ou n'envoie une lettre. Lorsque je commençais à prendre conscience que cela serait ma vie, j'eus l'impression que le salut n'était rien d'autre qu'un fardeau. Il se fit comme un voile devant mes yeux. Il n'y avait pour moi ni joie, ni beauté. Il n'y avait qu'un vide, désolé, infini et profond. Alors j'écrivis. Je ne sais pas quoi. Entre les lignes tremblait ma peur d'être oubliée. En guise de réponse, je reçus ces lignes. Prenez soin de vous et revenez. Je vous attends. Je l'appelle la destinée. Je restais immobile à regarder. Au début, ce fut comme si le bloc de marbre éblouissait mes yeux. Mais les contours en demeuraient fermes et clairs. Le piédestal était formé par un bloc de rochers grossiers qui, du côté gauche, partait en hauteur et qui, vers l'arrière, semblait suggérer l'entrée d'une tanière ou d'une grotte. La pente raide vers l'avant semblait représenter la mer et il y avait un rebord fait d'algues et de varech. Le personnage principal était un peu plus grand que nature. C'était une imposante forme féminine dotée de membres vigoureux, drapée dans un tissu que le grand vent avait déchiré. D'une main, elle tenait le tissu autour de son cou,
et de l'autre, elle tendait la main comme pour prendre appui sur le bloc de rocher. Le mouvement allait vers l'avant. Ses yeux fixaient un point avec froideur et précision, droit devant elle, en direction d'un but invisible. On dirait qu'elle marchait et qu'elle venait de poser le pied sur un corps qui gisait jeté au sol. Un corps de femme sans vie, nue. Ses pieds et ses jambes reposaient sur la pente en direction de la mer. La tête était appuyée contre un rocher près de l'entrée de la grotte, de sorte que le menton reposait sur la poitrine et les bras reposaient sur le sol, doucement, lourdement, comme s'ils avaient été rejetés par les vagues. C'était l'impuissance et la défaite, ennoblies par le calme de la mort. Le calme de ce visage avait quelque chose d'un équilibre surnaturel. Sa froide douceur, pour laquelle les désirs et les souffrances des hommes n'existaient plus. L'oubli sacré de tout ce qui avait été appelé joie ou chagrin, bien ou mal. Ce visage, sur les lèvres duquel l'énigmatique sourire de la mort s'est figé, était l'œuvre d'un voyant. Je fus prise d'inquiétude, d'angoisse, d'admiration. Ce maître, cet artiste, je l'avais traité comme un semblable. Cet homme avait été un camarade. Ce grand maître. Je regardais timidement de côté. Il m'observait simplement, avec intérêt, cherchant à deviner mon impression. Je tremblais comme en présence de quelque chose de surnaturel. Cette morte avait mes traits, rendus plus nobles, rendus immortels. Cette morte était mon moi gravé dans la pierre, c'était mon histoire. Je joignis les mains, n'osais pas regarder de côté. Il avait connu toutes les pensées les plus secrètes de mon âme. Il savait d'emblée ce qui allait se passer. La destinée. Je levais les yeux et observais les traits de l'implacable divinité. Oui, c'était bien cela. Pour la destinée, une vie humaine n'est rien. Elle la piétine comme s'il s'agissait simplement d'une herbe côtière ou d'une algue sans racine, regardant droit devant vers un but que nos yeux ne peuvent pas deviner. Les traits étaient ceux d'un être humain, mais l'expression était surhumaine. C'était la force, la régularité, la ténacité devant laquelle tout notre monde s'incline ou doit s'écraser. C'était la grande énigme de la vie, insoluble, l'inéluctable, ce qui doit arriver. C'était ce que disait ce visage. Je sens que cette œuvre est ma meilleure œuvre. Je n'ai pas régressé. Je suis si heureuse, jusqu'à la fin. Que demander de plus ? Merci pour tout. Je ne souhaite rien défaire de ce qui s'est passé. Tu as l'air bizarre, j'hésite à te laisser, mais je dois m'en aller, on m'attend à la soirée. Alors vas-y, mais embrasse-moi avant de partir. Non, sur le front. Comme tu le faisais quand on s'est connus. Ta main est toute chaude, elle tremble. Ce n'est rien. Si, tu es bouleversée. Mais je vais rester tranquille, très tranquille. C'est bien ça que tu veux. Et comme ça, tu te souviendras de moi parfois. Et tu penseras au fait que j'aurais tout fait pour toi. Oublié aussi, puisque tu le voulais. Tu ne devrais pas parler comme ça. Tes mots me blessent, je souffre plus que tu ne le crois. Il ne faut pas, chérie. Tu voulais me donner du bonheur, tu n'es pas responsable du reste. Quel reste ? Rien. Va-t'en, puisque tu dois y aller. C'est bien la première fois que je ne cherche pas à te retenir. Je reviendrai tard ce soir, il faut que je te revoie. Tu es malade, je ne suis pas tranquille. Non, ne reviens pas ce soir. Je suis tellement lasse, j'ai besoin de dormir. Ne viens pas avant demain matin. Je ne fais pas de promesses. Je t'interdirai ma porte. Et je soudoirai les portiers. Tu es bonne. Personne n'est heureux.
Voilà. Maintenant, c'est l'heure des comptes. Maintenant, ma dette arrive à échéance. Maintenant, il me faut payer et je connais le prix. C'était si charmant à vivre, si difficile à tuer. Personne ne connaît mieux que celui qui va mourir le besoin d'être sincère, de ne rien dissimuler, de se débarrasser de tout ce qu'il a supporté, gardé en lui. Simplement parler, parler et avouer, jusqu'à ce que tout soit dit. Je n'ai personne à qui avouer, pas d'amis dans le giron duquel je pourrais cacher mon visage tandis que je parle. Mais je ne peux pas emporter mon histoire avec moi dans la mort. C'est comme s'il s'agissait d'une dette que je devais acquitter en faisant le sacrifice de ma vie, et c'est pour cette raison que j'écris ces pages. Comme un noyé qui, en l'espace de quelques minutes, voit sa vie défiler devant ses yeux. Je veux moi aussi, rien qu'une fois, revoir tout ce qui m'a conduite à l'endroit où je me tiens à présent. Je regarde désormais tout cela avec une compassion paisible et fataliste. Quelqu'un lira cette histoire dénuée d'événements saillants. Qui ? Je n'en sais rien. Et cela ne me préoccupe pas non plus. Celui qui va mourir n'éprouve qu'indifférence envers tout ce qui touche au vivant. Je ne me préoccupe pas non plus de savoir si mon histoire est intéressante. Mais mon souhait, c'est de l'écrire de telle façon que l'on comprenne que je ne peux pas vivre, que puisque tout s'est déroulé comme je le raconte, il me faut en finir comme je le fais. Qu'il y avait quelque chose au sein de nos deux natures qui faisait que cela devait se passer ainsi. Ma propre histoire qui précède celle-ci n'a rien à faire ici. Elle pourrait expliquer le développement de mon caractère, mais il me faudrait alors faire entrer en ligne de compte trop de gens et trop de péripéties. Ce qui m'importe, c'est simplement de montrer pourquoi le monde des vivants n'est pas le mien. Je ne défends pas ma vie. Je défends ma mort. Je ne sais pas s'il a compris que j'ai rompu avec mon passé, mes principes, mon éducation, oui, avec les particularités de ma race, que j'ai brûlé tous mes vaisseaux et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Je crois que j'espérais encore, après son départ, que j'espérais qu'il m'appelle à ses côtés et me dise « Vie, tu m'es plus cher que les autres. » Je lui écrivis même un jour, je ne sais pas quoi, des phrases d'amitié timide, rien du tout. Il me répondit avec une petite lettre qui contenait quelques lignes et qui commençait ainsi. « Chère mademoiselle. » Et il finissait par ces mots. « Je n'ai pas le temps d'écrire une lettre. J'ai commencé une nouvelle œuvre. Je le sais à présent. Sous sa plume, on ne trouverait pas un mot qui rappellerait nos amours mortes. Pourquoi tout cela est-il arrivé? Sait-on pourquoi on aime? J'ignore moi-même ce qui a produit cela. Peut-être le fait que j'admirais son œuvre depuis si longtemps, ou alors que son monde était si étranger au mien qu'il s'est changé en sorcellerie. Ou alors parce que c'était dans ma nature d'aimer une fois. Sa personnalité a englouti la mienne et séparée de lui, je ne fus plus qu'une ombre. Tout est vide. Au début, j'attendis que ça passe. Je ne saurais même pas dire si j'ai attendu longtemps ou non. Je ne sais pas si les jours ont perdu toute durée ou s'ils n'en finissent plus. Le temps est devenu quelque chose d'informe qui ne fait plus qu'un. Et je sais que le vide est éternel. Pour celle qui a été ensorcelée, il n'y a pas de retour possible. Tu te souviens de ce que tu avais coutume de me dire ? Tu es bonne. Je ne savais pas combien cela comptait que quelqu'un dise de toi que tu es bonne. Maintenant, je n'entendrai plus cela. Et que je sois bonne ou mauvaise n'a plus d'importance. Rien n'a plus d'importance désormais.